que sinon, allez, hop, c'est parti. Seul truc, c'est qu'après, vu que quand je suis tout seul, bah, je peux pas trop m'absenter pendant Heroes, quoi. Enfin, ça me fait chier de m'absenter pendant Heroes pour aller voir les petits, mais évidemment, je le ferai, quoi. 3, 2, 1. Ah, alors là, un joli skill, on évite directement le premier boost. C'est une secret tech, hein, c'est un truc un peu avancé. Mais sinon, Aurélien, il a marqué que le boost secret, en fait, c'était par rapport à un truc qui se passait à l'écran. C'était pas calé sur le 1, 2, 3, c'était par rapport à un truc qui s'affichait. Donc faut que j'observe bien. Peut-être par rapport au carré qui fait comme ça sur le vaisseau au départ. Get ready. 3, 2, 1. Mais là, y'a rien qui faisait pout-pout. Merde, oh là là, oh, c'est pas bon ce qu'on tient. J'ai complètement pété la barre de vie. Ouais, la Roku elle marche mal. Hein. Ah, mais le truc c'est que c'est même pas par rapport à toi, c'est juste que je déteste quand on me fait ça, donc moi j'aime pas le faire aux autres, quoi. J'ai envie de s'arrêter les gens qui se barrent sur les MOBA, donc quand je sais que que je vais devoir potentiellement me barrer, je le fais pas, quoi. En gros, si je joue en MOBA, c'est que je suis presque sûr de pouvoir terminer la partie. Ready. 3, 2, 1. Il faut que je comprenne comment ça marche. Bon. Weapons activated. Tiens, mange-toi ça. Bon, lui il nous fera plus chier. Regardez le nest après, il est parti pisser, on a perdu la game, on lui a pas voulu. Mais si, mais tiens, du coup, j'ai complètement oublié de. Ouais, c'est pas grave. Allez, go. Le téléporte. Ah non, ça se fait pas de se barrer pour aller pisser, quoi. Si t'as envie de pisser, t'attends la fin. Stu Hero, c'est pas long en plus, quoi. Ah, mais je dis pas une partie de LoL où au bout de 10 minutes, t'as envie de pisser et qu'elle dure 1 h 30, bon, voilà. Mais là, objectivement. Objectivement, ça va vite, quoi. Je suis tellement dégoûté de pas avoir split, enfin dégoûté, c'est un bien grand mot, mais. Ouais, tu pisses dans une bouteille, exactement, comme en raid, quoi. Congratulations. Ça sert à ça, ce sont les bouteilles, hein. C'est pas. On dit que c'est pour boire, mais c'est pas vrai. Ouais. Get ready. 3, 2, 1. Bien joué, ça. Oui, vas-y. Encore plus de contact pour bien perdre du temps. Allez, allez. T'es allé. Weapons activated.
Le collab elle spawn dans quelques secondes, c'était large. Bah ça va alors, s'il l'a fait vraiment un moment comme ça, qui est pas du tout game breaker, c'est cool. Cette course elle est indiquée en dur alors qu'elle est objectivement plus facile que celle des mines. En fait le cut il est tellement gros que si on le prend c'est juste impossible de perdre. Hein. Cela ce cut là avec le téléport il fait. Enfin il est il fait gagner tellement de temps par rapport aux concurrents. Il n'y a pas participé par différents stacks. Bah oui mais c'est normal, ça donne faim. Hein. Ça donne faim de faire la guerre quand même. Ah bon, pour le split, c'est pas bien grave, de toute façon, je le récupérerai à la fin de celui-là, mais... Ah mais ça, l'e-sport, ça creuse, hein, c'est... C'est pour ça qu'il y a sport dans le nom, hein, c'est parce que... Allez, allez... Allez, balancez-moi le Minotaur, ouais. Je lui fume sa bouille. Allez, viens le Minotaur, je te défonce, moi. Ah tu joues abattu, hein, d'accord. 3v5 dans le golem, ça passe large. Ça passe large 3v5. Les mines, c'est parti. J'aime pas trop la map, la course avec les mines. C'est un peu con, hein, pourtant c'est pas dur, mais... Je sais pas. Le plus triste enfin tout ça, c'est que je suis en train de me dire que je me rappelle pas plus des maps de la fin quoi. Thank you.
il faut que j'arrive à le rattraper lui. Puis je pète un peu dans la ligne droite pour passer devant lui et lui mettre des mines à travers la mouille. Maintenant qu'il est derrière moi, ça devrait être cool. Faut juste que je fasse gaffe à mon énergie parce que je suis vachement bas quand même là. Tant qu'il est derrière moi, c'est cool. Ça, j'ai de la marche ou l'énergie, donc je peux me permettre de péter un petit boost. Ok, c'est cool. En même temps, tu vois très peu de terrain à la fois. Sans map, il faut quand même être balèze pour se rappeler le circuit. Ouais, voilà, le faire plein de fois en fait. Ouais, c'est... Après, tu peux acheter l'upgrade qui permet de dézoomer un peu, mais je pense pas que ça vaille le coup quand même. Ah merde. Oh là, oh là, on s'est calme. Ok. Putain, j'ai perdu du temps là par contre. Je l'ai mieux passé tout à l'heure. Mais il fallait que je m'entraîne sur les niveaux, tous les niveaux séparés en fait, pour... Notamment les boss. Les boss, c'est vraiment des techniques pour les défoncer rapidement. Ah merde, 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 merde. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est pas ça que je vais faire. Ah putain, je suis con. Ah putain, j'ai perdu du temps, mais... Get ready. 3, 2, 1. Là, j'ai fait de la merde en fait, là, ce qu'il faut que je fasse. Mais ta mère. Non, pas ça, je veux faire. Oh là là, mais c'est pas possible. Voilà, ça, elle est là. Hop, elle est pétée directement, mais mon XP. Ah, mais il me l'a gardé. Mais je comprends rien. Pourquoi il me l'a gardé? Oh, mais putain, c'est pas ça que je voulais. Bon, bah. Oh putain, je pensais que ça resetait les stats, et en fait, non, quoi. Ah, c'est nul, j'étais sûr qu'il y avait un reset de stats. Et du coup, je commençais à faire je commençais à réfléchir en fonction de ça, et en fait, non, du coup, ça garde les stats. Ah, il fallait vraiment qu'il les reset, c'est plus rigolo. Ça oblige à réfléchir à comment on va monter le personnage, enfin le vaisseau, quoi. Merde, j'ai raté. Ok, c'est bon, je l'ai eu. J'ai pas trop de chance là sur le placement des bestioles. Des fois elles s'enchaînent super bien, mais là. Elles spawnent n'importe où. Merde, en plus, si je les rate. Merde! Ah mais c'est du troll là comme elles apparaissent là. D'habitude elles sont quasiment en ligne là. Ok c'est bon. Congratulations. Ouais mais honnêtement la toile du cul je trouve pas terrible hein, la foreuse. Je préfère largement ça. La transformation de Ticus qui lui refait une barre de vie complète en plus, quoi. Parce que du coup, ça te fait vraiment une barre de vie gratos, quoi. Ce qui est assez monstrueux, quoi. Merde. Oh, nul. Nul, nul, nul. Après, c'est pas mauvais, quoi. Je trouve vraiment pas ça. Weapons activated.
Merde. Ah merde. Je pensais tellement l'avoir sur ce coup-là. Par contre, là, faut pas que je prenne mes mines parce que je suis assez bas en vie là. Si je prends mes mines, je vais mourir. Bon, j'ai peut-être la jouer SF, ouais, voilà. Je vais là. Mais non, pourquoi je me suis mis une mine là? Je suis en Mongolie, y'a quoi qui passe par là? Putain, je me suis mis une mine dans ma zone de... pour recharger ma vie, quoi. Je suis vraiment en débile. Oui, allez, vas-y, vas-y. Collecte bien toutes les mines. Fais-toi plaisir. Ok. Quel pouvoir est utile lors de la bataille Ça backdoor bien. D'accord, je savais même pas que tu pouvais backdoor avec, effectivement, mais ouais, c'est logique. Mais bon, faut déjà pouvoir la placer quand même, quoi. Par contre, ça m'emmerde là pour les stats là. Ça fait vraiment chier là que les stats soient pas reset là. Parce que du coup, ça change tout à mon. Ça change tout à. Parce que là en fait, y'a aucune raison que je me fasse chier là à pas avoir toutes les stats quoi. J'aurais pu y aller avec full stats, mais. Ah, j'aimerais bien que ça reset en fait avec une nouvelle partie et que bah, ça revienne à zéro quoi. Et là du coup j'étais content, c'était revenu à zéro, mais en fait c'était juste parce qu'il y a eu une mise à jour du jeu. Et du coup c'était pour ça que ça a été revenu à zéro. J'aime bien la zik de ce niveau. Oh putain, j'ai fait mourir. Dommage, ça monte pas beaucoup. Ok, c'est bon. Bah du coup, je voulais pas ça quoi. Bah là, j'ai pas les stats endgame quoi, mais j'ai les deux améliorations, j'ai débloqué la partie d'avant sur ma première tentative de speedrun quoi. Plus du coup le dézoom que j'ai pris vu que... En fait, je voulais aller acheter justement la vitesse. Et finalement, bah, j'ai acheté le dézoom vu que la vitesse, je l'avais encore quoi. Mais c'est pourri quoi. Enfin, soit c'est pourri, soit faut y aller avec full staff quoi. Mais enfin, full stat, mais c'est moins rigolo quoi. Je préférais le principe de devoir réfléchir à où mettre les points pour que ce soit plus rentable et voilà. Bon, même si évidemment les points, j'allais les mettre en vitesse et virage hein, comme j'avais fait le coup d'avant. Mais... je trouve ça dommage. J'avais envoyé un tweet à Aurélien pour qu'il modifie ça, il m'a dit qu'il le ferait. Mais bon, je pense qu'il a pas encore dû avoir le temps. Enfin, soit il a pas encore eu le temps, ou soit ça a pas marché comme il voulait. Je lui demanderai. S'il aurait moyen de virer la sauvegarde, mais il aurait fallu que je le sache avant, quoi. Et même si je virais la sauvegarde, je suis pas sûr que ça remette à zéro les points de stat, les XP. Enfin, j'en sais rien.
Mais le truc c'est que là j'ai déjà lancé la partie donc bah, tant pis quoi. Putain faut que je fasse gaffe, je suis assez bas en énergie là, faut pas que je prenne des points contre les gars là. Ah, ça va faire du bien, ça va. Tiens, prends-toi ça, toi. Merde, j'ai pris plein de têtes cette mine. Comme aller chercher cela. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire la diff entre ça et la mort. Oula! Ah merde, il reste un tour, putain, je crois que c'était le dernier tour. Oh quel con. Oh quel con. Ah j'ai peut-être mon rouleur là par contre. Ouais, c'est cool. Ouais, du coup, ouais, la sauvegarde est moins de la virer, mais il aurait fallu que je le sache avant. Alors là, l'araignée, c'est le boss, j'arrive pas à comprendre comment il marche exactement. Il est pas dur, mais je fais de la merde à chaque fois contre. Ah bah, il en meurt là. Si je commence directement à me. Oh là 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 là. Ah non, mais non. Sois pas con, sois pas con. Mais non, mais putain, mais arrête de passer entre les mines! Oh là là là! Que c'est mauvais! Que c'est mauvais! Oh là, bordel! En gros, le principe c'est faut mettre des mines sur les lignes où elles passent. Mais. Le truc c'est de pas reparcourir dehors évidemment quoi. Voilà, là je vais bien défoncer la terre, là. Merde. Normalement, elle a dû ramasser un peu là. Voilà. Et là, faut que je fasse gaffe à pas me prendre mes propres mines comme je viens de faire à l'instant, comme un gros polio. Et là, elle va me foncer dessus. Mais putain. Oh, je vais mourir. Je vais mourir alors qu'elle était déjà morte. Mais quel con! Ah, je fais n'importe quoi sur l'araignée, j'arrive pas à trouver une bonne strat, mais je suis vraiment nul. Je suis vraiment vraiment nul sur l'araignée.
Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut faire des lignes comme ça. Ah mais non, mais putain, mais... Je pensais que je pouvais passer en me bourrant comme un âne, mais évidemment non. Évidemment non. Voilà, là, elle a pris toute la rangée ennemie d'être à la mouille. Je vais essayer de faire la... Ah non, mais là je peux pas parce que... Il est en train de rappel sur le... Après, faut peut-être juste que j'attende en fait qu'elle se bouge, voilà, comme ça. Et là, on y va. Là, je crois que ça le plus énervant, c'est quand il arrive, ça va super vite. Quoi. Et surtout, ça a pas l'air dur. Alors que quand tu t'y prends mal, et bah t'es vraiment dans la merde. Hein. C'est... Allez, on va aller s'amuser dans le niveau des vrais. Avec, en espérant que je me rappelle un petit peu. Donc là, il est 27. Hein. J'ai fini tout à l'heure à 48. Putain, j'ai mis plus de 20 minutes à faire cette zone de fin. Quoi. Il est quelle heure? Ah, mais il est déjà 1h20 en fait, merde, j'avais pas vu. Non, c'est pas grave. On est quoi, demander le jeudi là? Bon. Hop, les petits S qui vont bien. Hop, hop, hop. Merde! J'ai oublié qu'il y avait un enchaînement de S à cet endroit-là. C'est bon. Allez, nouvelles épingles à cheveux. Mais bon, du coup, je saurais qu'il faut que je reset les stats si je veux. Si je veux effectivement faire un. Faire le speedrun comme je l'entends, c'est-à-dire avec voilà, avec tout avec toute base en fait, hein, tout simplement. Après, j'imagine qu'après on peut se dire qu'il y a deux versions de speedrun quoi. Il y a le... Mais non, mais mongolo quoi. J'ai cru qu'il y avait un truc qui tournait au milieu. Je sais pas ce que j'ai branlé. N'importe quoi. Ah, je suis dégoûté, j'étais à la fin, j'étais pas mal. Je m'étais pas vautré, c'était cool. Et je fais de la merde à la fin. J'aurais pu prendre le boost là quand même, tant pis, c'est pas grave. Mais c'est que j'aime vraiment beaucoup ce jeu, hein. Franchement, il est. Il me plaît énormément. En fait, plus j'y joue et plus il me plaît. C'est ça qui est cool. Hein. C'est qu'il y a des jeux qui paraissent sympas, finalement on y joue un peu et ça, finalement on s'ennuie. Et là, honnêtement, bah, plus j'y joue, plus j'ai envie d'y jouer. Ok, c'est notre premier niveau. Putain, mais n'importe quoi. Quand je pense que je suis tombé du truc, quoi. Enfin, que je me suis pris un laser. Alors, c'est bien, non, j'ai moins pinaillé que le premier. Enfin, normalement, il n'y a pas vraiment normalement, mais. Pipi, 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 pipi.
Et du coup, en fait, je pense que ce qui va faire le plus que je bosse, c'est l'araignée. Hein. C'est un peu con à dire, mais l'araignée, c'est le niveau finalement qui me fait le plus peur maintenant. Ce soleil ils me font pas vraiment peur. Il faut juste que je les bosse un tout petit peu parce qu'il faut que je me rappelle des virages. Mais l'araignée, j'arrive pas vraiment à comprendre. Ouais, faut que je me cale dessus, faut que je me cale sur l'araignée un petit peu là pour bien comprendre ses patterns, voir à quel moment on peut bien la défoncer. Il faut aussi que j'apprenne à faire le démarrage rapide parce que bon, speedrun sans démarrage rapide c'est un peu un échec quoi. On va pas se mentir. Oh là là, oh là là, oh là là, oh, comme j'ai fait map. C'est bon, c'est passé. Tac tac. Voilà, hop. Pif, pif. Bon bah ça. Applicable, là. Comme une lettre à la passe, là. Ah, c'est impressionnant, là, quand ça joue comme ça. Ah, ça rigole plus, là, sur le stream, là. Et après j'aurais même pas dû prendre le truc qui dézoome de 10% parce que finalement ça me fausse mes repères. Enfin bon, ça me fausse mes repères, normalement il n'y a aucune raison que je meurs, mais... Enfin, il n'y a aucune raison que je meurs. Bonne déconne. Non, mais... Non mais sinon il y a un jour je pense que je fermerai ma gueule et puis ça ira très bien comme ça. Hein. Putain, c'est pas possible! Oh là là, mais c'est le niveau le plus simple des trois en plus, quoi, sans déconner. N'importe quoi. Belle esquive du boost, belle esquive du boost à nouveau, belle esquive du boost une troisième fois, parce que bon, pourquoi pas. Ah mais l'impression de déjà vu c'est bon signe, ça veut dire que je suis vite retourné à la fin du jeu quoi. Bon par contre là ce qui m'emmerde c'est normalement le boss, on doit déjà le voir, et je ne le vois pas encore, c'est à dire que je suis à la bourre sur ce que je veux faire. Ah c'est bon, j'ai réussi à le quicher quand même. J'ai 14 minutes d'avance du coup. C'est juste ridicule. Allez go. Good luck. Du coup, ça va être passé demain si j'y pense. Ouais, bah y'a pas de soucis. Allez, bisous Adrus, merci de passer. De toute façon, moi demain, je pense que je vais passer la soirée sur le jeu, donc. Enfin, sauf s'il me rend fou avant, mais. J'espère pas. Allez les petits pics relous. Hop, deuxième fournée de pique. Ah bon, c'était que la première fournée, deuxième fournée de pire comme on disait.
patio, 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 sinon il les prend pas. Ok, ça marche pour Hiro, c'est pas de soucis. Attends que je le défonce avant qu'il reparte. Voilà, merci. Ok, du coup, je suis vraiment bien là. Je suis bien. Ouais, pas de problème pour Hiro, de toute façon, j'ai bien envie de jouer aussi donc. Fasse un petit coup d'aspirateur, l'histoire de me remettre full life. Voilà, merci. Merci le boss. Tu es quelqu'un de confiance, ça fait plaisir. Hop là. Et voilà, 38 minutes, on est déjà mieux là, 38 minutes. Bon, en 38 minutes, sachant qu'il y a eu le petit moment où je suis rentré dans le... Ah, remarque, je suis pas allé après, donc c'est vraiment au même. Je suis rentré dans les stats. Du coup, là, les trucs à améliorer, bah, déjà, ça y a tous les niveaux. Il y a tout le coup des super boosts, là, enfin, les super démarrages. Il y a l'araignée, là, que j'ai pinaillée, j'avais fait au moins 4 ou 5 essais. Il y a les courses à la fin là où je me suis crashé 4-5 fois je pense au final sur les 3 courses. Mais bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. 38 minutes là pour une première soirée avec quelques essais, enfin 2 essais en l'occurrence. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, c'est cool. Bien content. Bon bah allez, bah sur ce, je vais faire des bisous à ceux qui étaient encore sur le stream, enfin ceux à celui d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'y a plus que Taz à cette heure-ci. Bon courage pour ta nuit blanche à révision, mon petit Taz. Et puis voilà, puis si t'es pas mort demain, n'hésite pas à passer pour voir Pick the Card, qui est plutôt cool. Et puis voilà, allez, ciao, bonne nuit.